passé minuit, Monsieur X rentre chez lui. Pour X leur a sonné, un crime sera commis. T'un Beretta, est-ce une vendetta? Un sale assassine, c'est la bérésine. Avec deux balles dans la tête, est-ce un suicide maquillé? La porte du bureau du mort est fermée. Pour les flics, c'est un casse-tête, pas de mégot dans le cendrier. À qui confier une enquête compliquée? Colombo est arrivé dans sa vieille automobile. Il a déjà vérifié les alibis et les mobiles. Accroupi là, il flaire de haut en bas les indices qu'on ne voit pas, qu'on a négligé ici et là. Quand il repère un suspect, il s'adresse au meurtrier. L'étau sur lui se resserre sans tarder. Mille questions fusent dans sa tête, sous son aspect négligé, comme dans une partie d'échecs calculés. Comme le parka du lieutenant, le coupable se sent froissé. Il va passer à table, Colombo l'a démasqué. Arrêté là, à cause de ce détail-là, normalement on ne voit pas. Pour lui a sonné l'heure du glas. C'est la police qui l'arrête, son crime n'était pas parfait. Pour le lieutenant, c'est affaire classée. Quand il repère un suspect, il s'adresse au meurtrier. Sur lui, l'étau se resserre sans tarder. Mille questions fusent dans sa tête, sous son aspect négligé, comme dans une partie d'échecs calculés. Pour les flics, c'est un casse-tête, pas de mégot dans le cendrier. À qui confier une enquête compliquée? Mille questions fusent dans sa tête, sous son aspect négligé.